Et bonjour à tous, nouveau vlog sur le casse du off qui va être trop cool. Aujourd'hui je vais offrir un cadeau de Noël à chaque personne de Maison Grise. Alors non, en vrai il y aura pas tout le monde, mais beaucoup de gens que vous connaissez bien sûr. En fait, pour vous dire comment ça s'est passé, c'est que j'avais mis un message dans une convo WhatsApp avec tout Maison Grise. J'ai dit qui veut que je lui offre un cadeau en vidéo, et j'ai pris tous ceux qui ont dit oui. Alors déjà je précise, les cadeaux c'est pas des trucs de fou, hein, c'est pas des PS5, des iPhone et tout que j'offre. C'est plus des cadeaux symboliques, un peu marrants, des rêves que j'ai avec les personnes et tout. Enfin bref, ça va être assez sympa. Et d'ailleurs regardez, ils sont juste là. Alors il y a pas tous les cadeaux, il n'y en a qu'une partie. Il y a certains trucs, c'est pas juste des cadeaux physiques. Bref, vous allez voir, il y a aussi de la peinture. Je sais pas pourquoi, ça c'est bienvenue à Maison Grise. Je sais pas pourquoi il y a plein d'objets partout là. Et en vrai, premier degré, j'ai trop hâte de voir la réaction de tout le monde devant les cadeaux. On commence maintenant d'ailleurs avec le premier cadeau. Ça va être pour celui que vous connaissez bien. Brio, c'est le premier qui a un cadeau, ok? T'es prêt? C'est vrai, je vais trouver, là. Viens à côté dans le studio de Pierre là. Brio, je t'ai fait un cadeau. Alors c'est un truc symbolique, c'est un truc, tu vois, je me suis dit, je t'ai vu et je me suis dit. Comment ça? C'est bizarre. Non, c'est un truc, je me suis dit, une rêve qu'on a quoi. Tous les deux, je te donne le paquet. C'est très lourd déjà. Ah ah! Qu'est-ce que ça peut être? Attention, c'est fou ce qui se passe. Je sais que tu voulais un nouvel iPhone. Oh, et c'est pas ça, let's go! C'est une trop bonne idée! Alors attends, les gens ils vont se dire c'est quoi ce bordel? Je t'ai offert un poké. Alors je t'explique pourquoi. Je l'ai commandé là, vraiment, je l'ai reçu il y a 10 minutes. Il est frais en plus. Bah c'est le but d'un poké, c'est tout en froid. Des fois quand on se fait des soirées brilleux, qu'on commande des trucs. Eh ben, Brio est fan de poké. Ah ouais, c'est vraiment, c'est un truc de fou, poké. C'est que des choses simples, c'est du riz et des choses toutes simples, mais qu'est-ce que c'est bon. Et franchement, c'est un truc de fou. Si on avait plein de commentaires en mode, mais les gars, c'est hyper simple, c'est juste du riz avec des légumes, faites ça chez vous. Bah non, toi, t'es tellement pas. Bah écoute, Brio, je vais te laisser manger ça devant la caméra, en plan séquence. Non, je vais peut-être manger là-bas. Ah ouais, c'est vrai, pardon. Ouais. Merci beaucoup, Lucas. Oh, c'est trop gentil. Eh ben, avec plaisir, frérot. Je le mange ou c'est pour Noël, du coup, je le garde? Non, tu le gardes pour Noël, le 24. Ah ouais, mais il va être tout sec, non? Bon, je sais pas. Si tu conserves bien, je sais pas. Ça peut faire un volume 2 de la vidéo. Ah bah tiens, que devient le poké de Brio, épisode 2. On enchaîne sur suivant, c'est parti. Merci Lucas. Bah avec plaisir. Alors Ya, t'es la personne suivante et t'es en train d'éplucher une orange, une mandarine. C'est une orange. Alors juste pour vous dire, tout à l'heure Alaya me dit je suis trop forte pour deviner les cadeaux. Oh, Alaya, mais... alors j'ai essayé, je te dis un cadeau encore une fois, un truc qu'on aime bien tous les deux, ok? Moi je croyais que c'était un rapport avec l'homme pâle. Oh là, ça me ressemble pas. Le vinyle de l'homme pâle. Elle a dit qu'elle était forte pour deviner les cadeaux, après j'en sais rien, c'est... C'est ça, ça a rien à voir. En vrai, elle est trop forte, c'est un truc de fou. Un truc qu'on aime tous les deux, sachant que tu voulais me faire plaisir et qu'il n'y a pas plus grande fan que l'homme pâle que moi. Ouais, mais ça peut être un autre truc, je sais pas, on aime bien d'autres trucs en commun, tu vois. Mais c'est vrai que l'homme pâle, on en parlait juste avant en plus. Ouais. C'est mon album préféré. Alors ça, je savais, en plus, je me dis, même si t'as pas de lecteur vinyle, c'est quand même stylé comme objet de déco, tu vois. Mais oui, mais bien sûr. Ah, je suis refaite. Bah, je suis trop parfait. Ah bah, trop bien, bah, let's go. Je mets 12 sur 10. Ah bah, putain, ça fait plaisir, franchement, ça fait plaisir. Ah, je vais plus apprécier mon orange avec ce vinyle. Allez, bah, écoute, du l'homme pâle en mangeant une orange. Ouais. Allez, personne suivante, c'est parti. On passe au cadeau suivant et pour ça, c'est un nouveau. T'as déjà fait des vidéos sur la chaîne de Maison Grise? Vidéo d'Alaya, une vidéo d'Alaya. Ah mais qui est pas encore sorti. Qui est pas encore sorti. Donc je pense l'exclusivité de Lucas. Bonjour. Salut à tous. Nouveau monteur. Alors oui, il y a plusieurs Lucas à Maison Grise, ça rend fou, mais c'est comme quand j'étais au collège, c'est. Le quatrième. Mec, moi aussi dans mon lycée on était 4 Lucas. Mais frère, attends, toutes les classes. Je me permets, on s'assoit vite fait, parce que alors, je te donne du coup ton cadeau, c'est un petit bout de papier, ok. C'est pas un cadeau physique, mais t'as un indice sur le cadeau que je vais t'expliquer après, tu vois. Que je peux déjà montrer aux gens. Vas-y. En tout cas, je le lis à voix. Je sais que t'as toujours rêvé d'avoir un VPN de qualité, Lucas. Parce que oui, quelle transition, cette vidéo est sponsorisée par NordVPN, merci à eux. Parce que je t'expliquais, alors NordVPN t'offre un cadeau qui va être très cool pour toi, notamment, je sais que t'es fan de films et de séries. J'adore. Et justement, grâce à NordVPN, eh ben, tu peux regarder encore plus de films et de séries en streaming. Donc NordVPN, il propose de t'offrir un abonnement qui permet en fait d'avoir accès à plein de catalogues étrangers, jusqu'à 6 appareils différents, et pendant 5 ans. Et ça, ça rigole. 5 ans, tu vois, t'as quel âge là? J'ai 20. T'as 20 ans, bah jusqu'à 25 ans, t'as NordVPN. Mais je sais même pas où est-ce que je serai dans 3 semaines, mais là c'est 5 ans. Et bah justement, ça qui est beau. Sur 6 appareils différents, tu peux regarder plein de contenus sur plein de sites, etc. C'est trop bien. Ouais, dinguerie. En vrai, dinguerie. Merci. En vrai, dinguerie. Merci beaucoup, NordVPN. Donc voilà, comme ça, t'as accès à plein de catalogues étrangers, de plein de pays, des séries, des films qui sont pas forcément disponibles en France. Et vous aussi qui regardez cette vidéo, petit cadeau quand même. Évidemment, j'offre aux gens de Maison Grise, mais aussi à vous. Via NordVPN, là il y a une offre de Noël qui vous permet d'avoir 4 mois offerts sur un abonnement de 2 ans grâce au lien nordvpn.com/lucasstudio. Donc évidemment, c'est en description. Et n'hésitez pas, c'est jusqu'au 1er janvier. Donc voilà, vous avez le temps là. Mais dépêchez-vous quand même. 4 mois offerts pour 2 ans d'abonnement. Franchement, ça régale aussi. Et justement, si vous, pour vos cadeaux, vous voulez offrir des voyages à vos amis et votre famille, et ben NordVPN, ça vous permet notamment d'avoir des prix moins chers sur vos avions, mais aussi sur vos bookings d'hôtels. Pour ça, vous avez juste à faire passer votre connexion sur un serveur étranger. Et là, vous pourrez découvrir plein de tarifs avantageux sur vos voyages, vos hôtels et tout. Et franchement, ça fait un max de bénéfices et ça, ça régale. Une régalade. Une régalade. Et ça, c'est bien conclu, Lucas. Il a tout dit. Il dit les termes, Lucas. Donc voilà, merci à NordVPN aussi pour le cadeau de Lucas. Et je vous laisse évidemment le lien en description. Régalez-vous aussi et on passe justement
au cadeau suivant. On passe à la personne suivante dans mon studio. On a Léo ici. Bonjour à tous. Mais Léo, qu'est-ce que tu fais? Et non, c'est une fausse clope. Ah, c'est visuel. Tu sais, je sais pas pourquoi ça traîne. Je pense que c'est pour une vidéo, un truc comme ça. On a une fausse clope. Très bien, Léo. Alors, j'ai un cadeau pour toi. Je te laisse t'installer ici là. Oh yes. Ça, pour ceux qui ont la ref, c'était une de mes vidéos l'an dernier. Vivre une année en une journée. À mes yeux, un gag en termes de phrase qui est indépassable. 20 ans, le pro de la fesse. Y a pas de rire, y a rien. Léo, je t'offre un petit cadeau ici. Ok. C'est une ref. Je sais que tu t'aimes bien quelque chose en ce moment. Et je me suis dit, sur conseil de quelqu'un, que c'est pas mal. C'est hyper flou, j'ai aucune idée, mais ça semble être un tissu. À mon avis, il va avoir les larmes aux yeux. J'ai vu la marque. J'ai vu la marque. Attends, c'est quoi? C'est des palmes. C'est des palmes pour les mains. C'est des palmes pour les mains, Léo, toi qui adore la natation. En fait, c'est génial. Pour le contexte, on s'est mis à la natation avec PA. Et on y va deux fois par semaine. Et c'est vrai qu'on on améliore notre équipement petit à petit, et là en fait, le style s'améliore pas, quoi. Là le style se dégrade en fait. Mais alors c'est vraiment des palmes, hein. C'est pour les mains. En fait, honnêtement, alors Léo, je voulais un truc qui est très tendance pour toi, donc la natation, tu vois. Palme pour les mains, je me suis dit, ouais. C'est quoi ça? C'est baignant. Bah oui. Ok, alors là, je tourne la caméra parce que Léo a les larmes aux yeux. Je vois les larmes aux yeux qui sont en train de couler. C'est beau ce qui se passe, c'est l'émotion. Et en fait, je n'ai qu'un mot, c'est merci Lucas. Ça sera là, tu vois, on est un petit peu avant Noël, je sais pas quand est-ce que ça sortira, mais je sais d'avance que c'est le meilleur cadeau que je vais avoir. Ça me gêne, arrêtez pas devant la caméra. Ça me gêne. Allez, personne suivante, c'est parti. Prochaine personne, alors. Bah, PA, du coup, alors. Voici ton cadeau. J'ai fait un truc qui, je pense, te connaissant bien, va te faire plaisir. Okay. J'espère. Tu sais que t'es le seul à qui je me suis dit, peut-être qu'il a déjà. Ah ouais? Ouais. Je te laisse ouvrir. Ok. Eh ben écoute, ça va. Alors, évidemment que ça me fait plaisir. Non, tu l'as déjà? Alors, attends. Je vais te dire même mieux que ça. C'est une guillotine à saucisson. Évidemment que ça me fait plaisir parce que je suis un grand fan de saucisson. Et je vais dire un truc, c'est que je suis tellement fan de saucisson que je pense que ça fait au moins 5 fois qu'on me l'offre. Non. Je te le jure. Non, je suis abattu. Je te promets, genre vraiment, les gens quand ils pensent à moi, ils disent bah ouais, PA, saucisson. Mais oui. Je te jure que c'est... Et c'est vrai, je sais pas pourquoi. Je pense que c'est ma 5e. Mais non. Ah, je suis mort, je suis deg aussi en fait. Alors après, ça me fait plaisir. Hein. Premier degré, du coup, j'en ai mis une chez mes grands-parents, une chez mes grands-parents, une dans mon appart. Et maintenant, j'en ai laissé une aussi à Maison Grise. Comme ça, où que j'aille, il y a du saucisson. Tu peux toujours guillotiner ton saucisson en toute occasion. Ah bah ça, le saucisson, Et ça me fait trop rire le nom, la guillotine à saucisson. Enfin, c'est hyper connu. C'est hyper connu, mais ça me fait trop rire. Bon, en tout cas, ça me fait plaisir. Merci Lucas. Et bah, avec plaisir. Et avant de passer à la personne suivante, petit message, bien sûr, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à activer la cloche. Voilà, si vous voulez faire un petit cadeau de Noël, ça rigole. Merci à tous les abonnés. Et d'ailleurs, petit truc, là, je pense que cette vidéo sort le mardi 20 décembre. Et pour tous ceux qui ratent ça le jour de la sortie, et bah demain, donc mercredi à 17h30, sur ma chaîne Lucas Studio, il y a une nouvelle vidéo qui est la suite des matchs de foot qu'on fait avec le FC YouTube. La vidéo est trop cool, donc voilà, rendez-vous demain à 17h30, ça va être trop bien. Bref, on enchaîne maintenant, c'est parti. Personne suivante, on passe à Morgane. Bonjour Morgane. Salut. J'ai un cadeau pour toi, alors c'est pas un truc physique. Ok. Je vais t'expliquer ce que c'est, mais d'abord j'ai un indice du cadeau ici, tu vois. Okay. Je te laisse lire le truc. Lis-le à voix. De prévu le 1er juin 2023. Est-ce que t'as un truc de prévu le 1er juin 2023, Morgane? Le 1er juin 2023, c'est dans tellement longtemps que non. T'as rien? Non. Oh, c'est un truc de fou, ça tombe trop bien. Tu connais Harry Styles ou pas? Tu déconnes. Tu connais ou pas? Alors c'est un super pote, il fait un concert au Stade de France. Et ça tombe trop bien, je suis invité par Live Nation qui sont des super potes. Tu te fous de moi. Et est-ce que tu veux venir au concert? Alors, en plus, c'est des places de fou furieux, hein, c'est des places de fou. Attends, parce que t'es en train de vanner sur le fait qu'il y a des larmes de joie depuis le début, c'est pas vrai, mais là. C'est vrai? Oh non, pas ça, j'ai pleuré aussi. Ah non, pas de ça, je sais plus qui filmer. Je sais plus qui filmer, je te jure, c'est vrai. Ça y est, je te prends un cadeau. Bah, avec plaisir. De sérieux, vraiment? Ah non, je te jure, c'est vrai. Oh mon dieu, c'est confirmé. C'est dans l'air. Ah bah, c'est trop bien. Mais attends, c'est un. Ah, ok. C'est un rêve de gosse. Oh là là, c'est beau parce que Morgane, tu es ultra fan de Harry Styles. Ouais, bah en vrai, au degré, j'écoutais pas les One Direction et très drôle, c'est mon père qui m'a fait découvrir Harry Styles. C'est vrai? C'est vrai. Ah bah incroyable. Et donc, il passe au Stade de France, j'explique un peu pour les gens, il passe au Stade de France. Et nous, on a souvent la chance d'être invités par Live Nation à des concerts, c'est incroyable. Et c'est vraiment les boss, je vous mets évidemment le lien de Live Nation en description. Et j'ai la chance d'avoir eu des places et d'avoir une invitation. Et voilà. Mais c'est une dinguerie, mais vraiment, merci beaucoup. Bah avec plaisir, et bah rendez-vous en 2023, le 1er juin, pour tout ça. Et merci encore à Live Nation, évidemment vous êtes les boss, ça fait trop plaisir. Merci beaucoup. Et puis voilà, on passe au cadeau suivant, c'est parti. Prochaine personne, prochain cadeau. Alors Dylan, toi t'as pas un cadeau physique. Enfin disons que bon, tu vas comprendre. Je te laisse lire, en gros, j'ai noté sur le papier un indice pour que tu trouves le truc. Ok. Ok, vas-y je te laisse lire le papier. On est passé des meilleures soirées de l'année. Ah. Attends, je vais montrer en même temps l'agent. J'en ai une qui me vient en tête tout de suite. On y a passé une des meilleures soirées de l'année. Vas-y, je te laisse faire ton pronostic. Mon pronostic,
pronostic, ce serait sur la soirée Top Chef. Je me permets de te couper là. Ouais. Alors c'est ça. Ouf. En fait, avec Dylan, on avait fait, je crois que c'était début juin, un truc comme ça. Ouais. Comme ça. Oui, c'était début de l'été, je crois. Ouais. Début de l'été, on avait fait une soirée au bistrot Top Chef. En fait, c'est un truc qu'ils ont fait, un resto avec tous les plats de Top Chef. Et c'était trop bien, en vrai, c'était souvenir de fou. Bien rigolé, bien mangé, on a vu plein de gens et tout, c'était trop cool. Voilà, c'était l'inauguration, donc à l'époque, il n'y avait pas encore le truc vraiment ouvert. Et Dylan, mon cadeau, c'est que je t'invite à aller manger là-bas au bistrot Top Chef. C'est vrai ? Maintenant qu'il y a le resto qui est tout fait, j'y suis allé là, j'ai eu la chance d'y aller il y a quelques semaines. Et c'est trop bon de fou, et je t'invite là-bas. Oh bah merci mon Luc, ça me fait super plaisir. Écoute, trop bien, et franchement, j'y suis allé donc il y a deux semaines, c'était trop bon de fou. Ah, c'est incroyable. J'ai pas mangé depuis, on est 4 jours ? On est là, on est vendredi. Non, ça fait 4 jours que j'ai pas mangé. Ah oui, mais c'est extrême. Enfin, attends un peu, c'est pas de suite quoi. Ça sera sûrement genre début janvier, tu vois, c'est comme ça. Ok, ça marche, pas de soucis. Attends, mange entre temps quoi. Peut-être que je vous mettrai en story Insta à ce moment-là, parce que du coup, je peux pas montrer le cadeau maintenant. Et vous savez quoi, on passe à la personne suivante, c'est parti. Cadeau suivant. Alors là, j'ai peur. Là, j'ai peur, je l'offre à Jordi. Jordi, je te laisse. Est-ce que t'as la pression que j'ouvre mon cadeau? Mais bien sûr, Jordi, t'es trop honnête. Je trouve qu'il est petit. Ah. Ah, je suis mort. Alors, je te dis, c'est une ref parce que t'aimes bien, normalement. Je vois du foot déjà, ça commence mal. Mais je pense savoir ce que c'est. Oui, c'est trop mimi. Let's go. C'est une petite figurine de Raphaël Rabanne. Mais oui, c'est fan de Baran. Enfin, elle est vraiment petite, je pensais pas que c'était aussi petit. Mais... écoute, j'espère qu'elle sera sur ton bureau. Merci beaucoup, ça me fait très plaisir. Ouais. Je vais la mettre sur mon bureau. Ça marche, et on enchaîne sur la suite. Jordi, personne suivante, c'est Thomas. C'est moi. D'abord, il y a un papier qui donne un indice. J'ai fait ça hier soir là. Je lui fais un truc qui est totalement déchiqueté. Hein. Je te laisse le lire à voix. Quelqu'un a un truc à te dire en vidéo, mon bro. Alors, donc là, j'ai récupéré entre temps son téléphone. Pour airdrop une vidéo de quelqu'un, je te laisse découvrir. Hola mon Thomas, ça va mon Thomas? C'est Paganito qui vient te voir, el pequeño Paganito, pour un grand dérogador comme toi mon Thomas. Oh, je sais que tu es fan de foot toi, et surtout que tu joues au five entre potes. Et il paraît que tu es un grand dérogador au five. Voilà, alors je voulais t'encourager mon petit, je voulais t'encourager à quoi? Oh, à TM7. Oh, tu sais ce que c'est, TM7? Oh, TM7, c'est un surnom au foot. Alors, mon petit TM7, écoute-moi. Oh, pour tes prochains matchs de foot, là, avec tes potes de maison grise, tu vois ce que je veux dire, de maison grise, eh ben, tu vas être le boss. Tu vas les écraser. Tu vas être le cador, mon TM7. Bon, alors, la vidéo est très longue. Bon, je te laisse la voir tout en entier. Ben, incroyable, ben, merci. Hein. Et Laurent Paganelli, évidemment. Le crack. Hein. Bah, je sais qu'il adore le foot. Bah oui, Paga. Bah, merci. Allez, hein. Bah, avec plaisir. Merci. Et on passe au cadeau suivant, c'est parti. Prochain cadeau, quelqu'un que vous n'avez pas encore vu sur mes vidéos, alors que pourtant vous l'avez vu indirectement, Valentin. Bonjour à tous. Valentin qui est le monteur de mes vidéos, c'est que j'ai jamais vu en vidéo. Ouais, c'est vrai. Hein. Et les gars, si vous avez vu des montages de fou furieux là récemment, c'est Valentin qui a fait des trucs de fou. J'ai fait un cadeau, un truc, une ref que t'adores et qu'on a en commun. Vas-y, tu vas voir. Normalement, normalement c'est bien. Normalement. Vas-y, allez, c'est parti. Le paquet va rien me dire. Faut que tu ouvres le truc. Ah, faut que tu ouvres vraiment. Ouais. Là, vraiment, ça me dit rien. J'ai une petite idée en vrai de ce que c'est. Et je me dis, bah en vrai, j'ai vu ce que c'est, 3D lampe, je me dis, ça peut être stylé. Et en vrai, je me dis qu'il y a un petit truc à l'intérieur. C'est incroyable, évidemment. Oh, tu l'as, c'est bon, c'est ça. Bien sûr, je l'ai. Ah, bah justement, je pensais à ça. Je m'attendais pas à ça. En vrai, il y avait plusieurs dedans, du coup. Bah, je sais que je savais même pas. Bah, c'est trop stylé. Alors, incroyable. Je dis aux gens, mais chat, faut qu'on ait une démo même dans la vidéo, je pense. Ah ouais? Ah, fais-nous une petite démo. Vas-y, on va essayer de brancher, on va essayer d'installer ça. Alors, déjà, je tease pour les gens, c'est que Valentin est ultra fan de PNL. Ouais, grand fan, hein. Merci à eux d'être sur cette planète. Il a bien raison. Fournir le rap français, fournir, je suis pas sûr de. Fournir, carrément, je suis pas le bon verbe, mais en tout cas, t'as raison. Et moi aussi, évidemment, ultra fan. On a cette passion en commun et là c'est une lampe qui reprend la pochette de l'album de Fer. Ouais, de ouf. Mais tu sais que pour de vrai, j'ai un jour voulu m'acheter une lampe comme ça, un peu style cœur et tout, un peu en référence à PNL. Et là, le fait d'avoir ça, je trouve ça trop stylé. Allez, vraiment. Sur ton bureau, moi je veux sur ton bureau à côté. Ah oui, oh, bah bien ça je le veux. Évidemment. Ça rend trop bien, on peut changer de couleur et tout, c'est incroyable. Oh, c'est trop stylé. Et t'essaies avec le cœur là? Ouais, mais il y a une petite trace dessus, je vais pas mentir. Ah oui, j'ai chié dans le colis, ouais. Ah, alors, okay. Il y a une petite trace ici. Ah merde, et puis il y a des pas la cam. Grosse trace de doigts aussi dessus. Ok, et c'est plus stylé en vrai avec les deux frères là. Ouais, vraiment. Allez. Mais j'ai un petit truc pour toi aussi. Non, vas-y, c'est quoi? Oh, c'est incroyable ça. Mec, je te laisse l'ouvrir et on en discute un petit peu après. C'est aussi une petite référence. Attends, je te laisse me cadrer alors. Vas-y. Oh, c'est un album. Incroyable. Alors, pour te dire, je te laisse l'ouvrir. Alors. Attends, dedans ? Pourquoi ? Je te laisse l'ouvrir parce que tu vas comprendre. Ah, mais je suis mort. Ah ouais, il est fort. Alors en fait. Alors là, c'est très fort là. Je te laisse m'allumer l'épaule en vidéo. Allez, carrément. Vas-y. Ça, c'est cadeau ça.
Oh, c'est, ah, gentil. C'est gentil. C'était gentil, très gentil. Eh ben, merci à toi, en tout cas, pour ton cadeau. Ça me fait vraiment plaisir pour le premier degré. Ah bah, trop bien. Eh ben, vous savez quoi, on enchaîne justement sur la suite. C'est parti. On passe à la personne suivante, c'est Juliette. Salut. Juliette, t'es stressée du cadeau ou pas? Bah, un peu stressée parce que, tu sais, si t'aimes pas et tout, tu sais pas trop comment faire. Mais non, mais moi, je veux que les gens soient honnêtes. C'est-à-dire, si t'aimes pas, tu dis j'aime pas, tu vois. Donc, je te laisse ouvrir ça. C'est un truc dont on a déjà parlé ensemble ou pas? Peut-être, c'est possible, ouais. Est-ce que c'est une petite plante? Oh, trop mims. C'est un bonsaï à faire pousser. Après, à regarder, bien se renseigner, je crois. Mais c'est un truc spécial, justement. Est-ce qu'on va le garder en vie? C'est surtout ça la question. Ah bah là, c'est ton problème. Non, en vrai, je crois que j'ai genre 6 ou 7 plantes chez moi qui ont tout un prénom. Est-ce que tu veux qu'on le nomme ensemble avant même qu'il... Oh, en général, rêve. C'est souvent des vieux prénoms. Ça va être Trifon. Comme, t'as la rêve de Trifon? C'est le professeur Tournesol dans Tintin, j'adore Tintin. Ok, Trifon. J'ai un peu enrhumé là, ça s'entend je crois. Trifon PH? Trifon PH, donc c'est Trifon le bonsaï quoi. C'est assez connu hein. Est-ce que je l'emmène chez moi ou je le laisse sur mon bureau? Comme tu veux. Peut-être que les gens voudront le voir à Maison Grise. Ouais, ok, je laisse. Donc je pense que c'est pas mal s'il reste là quoi. Trop bien. Bah merci beaucoup Lucas, et je vais donner la vie et ça c'est super. Et bah avec plaisir, ça marche. Personne suivante, c'est Maëlys. Oui. Bonjour, ça va Maëlys? J'adore les cadeaux. Alors j'ai un cadeau, je vais reconnaître très vite l'objet quoi. Okay. Parce que c'est mal emballé et que la forme est hyper reconnaissable. Tiens. Alors c'est un truc que t'aimes bien en ce moment, que je sais que t'aimes bien. Un petit chien. Alors c'est pas un petit chien. C'est une tasse. Alors c'est une tasse mais spéciale. Ok. Il y a encore le post-it avec ton prénom, je viens de capter. Oui. C'est une tasse. C'est une tasse dinosaure. Une tasse dinosaure parce que Maëlys a une passion pour les dinosaures en ce moment. Oui. Il y a du flow ou pas? Elle est incroyable. Je suis trop fan. C'est vrai, bah, mais ça, en plus ça va pas hyper bien avec genre tous mes trucs genre. Pour moi c'est la suite logique, pour moi la boucle est bouclée. C'est incroyable. Pour moi c'était évident quoi. En plus aujourd'hui j'ai mangé des bonbons dinosaures. Mais non, ouais, mais cette passion pour les dinosaures elle est folle en vrai. Bah, et bah merci, trop bien. Lucas, en vrai, et bah avec plaisir, j'espère qu'on la verra souvent. Ah bah ça va être ma tasse d'ici hein. Et bah trop bien. Je vais refaire toute la déco du bureau en dinosaure. Cadeau suivant c'est pour Geoffrey celui-là. Ça me fait rire parce qu'en fait tu filmes, il y a juste une bouteille de chavis juste à côté, ça me fait un peu du coup, ah oui ça. Ouais, ça fait que c'est, bah, là, c'est ton cadeau d'ailleurs, ton deuxième cadeau. Tu peux la garder si tu veux. Alors, je t'explique, c'est un truc, je sais que t'adores ça. Enfin, t'adores la thématique, mais je te laisse ouvrir. Ok. Un puzzle? Alors, ça pourrait, mais c'est pas ça. J'avoue que le bruit est un peu bizarre, ouais. C'est très marrant parce que souvent les gens me disent, mais je sais pas quoi t'offrir. Ah. Si j'ai un truc à m'offrir, c'est ce qui me connaît vraiment très mal. Ah, merde. Et. Allez! C'est un Kia spécial Marvel. En fait, je sais que t'es fan de Marvel, ça c'est j'adore. Vrai. J'adore. Et je me suis dit, qui est-ce? T'aimes bien aussi les jeux de société et tout, quand même. Exactement. Je me suis dit, pourquoi pas mêler les deux passions que je fais. Peut-être pas deux passions, c'est peut-être un peu trop. Bah, limite, hein, je fais beaucoup de soirées jeux de société. Hein. C'est vrai? J'adore ça. C'est trop bien. En plus, j'en ai pas de qui est, c'est trop bien. Et bah, trop cool. Tous les gens qui regardent cette vidéo, vous êtes invités à la prochaine soirée chez Geoffrey pour jouer avec lui. N'hésitez pas, je mettrai l'adresse de Geoffrey en description. Complètement. Donc, voilà, mettez-vous bien. Pas trop. C'est pas trop, ça veut trop? Ouais. Ok, bon bah. Je déménage dans pas longtemps, donc vas-y, mets l'adresse. Ok, ça marche. Et on passe au cadeau suivant, c'est parti. Je descends pour ça. Dans la pièce d'en bas, donc un indice, hein, c'est un monteur de maison grise. C'est pour Agathe. Coucou. Agathe, j'ai un cadeau pour toi. Oh non. Alors, ah non, bah pourquoi tu dis oh non, c'est pas ça la réponse. Ah, non, non, ah oui, c'est pas le bon mot quoi. Voici un cadeau Agathe. Alors, non, je dis rien. Enfin, je me suis dit un truc que t'aimes bien, j'ai essayé. Okay. J'ai essayé quoi. Vas-y, je te laisse ouvrir. Oh. Mais attends, okay. faut que tu comprennes ce que c'est. Normalement, alors j'ai juste vu l'image sur internet, normalement c'est stylé. Lampe, j'adore les lampes, genre. Bah c'est pour ça, un truc autour de la LED etc, je sais que t'aimes bien ça. Alors, okay. C'est, attends, faut que je te montre l'image sur internet parce que là peut-être c'est pas visuel. Oh. C'est moi qui l'ai fait ce matin ça, mes propres mains, avec mes compétences d'école d'ingénieur ça. Mais en vrai pour le degré là, Lucas, merci beaucoup, hein, j'adore. Oh, ok. C'est peut-être pas ce que j'ai vu. Oui, attends, on va éteindre la lumière. Comment essayer de rendre un cadeau stylé, c'est parti. Attends, ça. Si tu fais ça. Oh là là. Tu vois, oh ça, là là, le cinéma. Tu baisses un peu. Mais en tout cas, merci beaucoup. Bah avec plaisir. Personne suivante, pour ça je redescends chez les monteurs. Quentin, je t'offre un cadeau. C'est vrai? Ouais, je t'offre un cadeau, alors attends. Ah là, c'est vraiment une référence, c'est... Je te connais depuis longtemps. Ok. Et c'est un hommage. C'est quoi, c'est de la vodka? Non, alors j'ai pensé à ça aussi, mais... Ah, c'est de la bouffe. Un truc, on en parlait souvent à l'époque. Je voudrais savoir. C'est grave. Il faut être à Maison Grise depuis au moins 3 ans. C'est dégoûté fourré. Mais oui. Ça fait au moins plus d'un an que j'en ai pas acheté. Oh, à l'époque, je vous dis, Quentin, à l'époque, il mangeait tout le temps. Ah, tous les midis en vrai. J'avais toujours une boîte de goûter fourré. Tout le temps. Fourré sur mon bureau. Oh, c'est bon ça. Merci. Tous les midis, il vous fait ça. Et franchement, ça fait longtemps que t'as pas pris. Je me suis dit, faut renouveler ça, tu vois. On va en prendre un tout de suite. Allez, mets-toi bien là. Je peux ah, les émotions. Allez, pour les émotions, j'en prends c'est aussi. Vendu. Merci. T'es une yangri. Bon. Quentin, une des premières personnes que j'ai connues à Maison Grise, t'es arrivé en même temps que moi quasiment. T'es la deuxième personne que j'ai vue à Maison Grise. T'as vu? C'est beau ça. Merci. C'est le meilleur cadeau pour l'instant.
Alors. Allez, bon, allez, on enchaîne sur la suite. Merci. Quentin, régale-toi. Merci, alors, on passe à la personne suivante. C'est Ludvika. Hello. En fait, j'ai pris pour la vanne et je fais, ouais, c'est... Bon, bref. Alors, c'est une ref à toi. Donc, voilà, je te laisse l'ouvrir. Alors, c'est la forme d'un album de Weshden. Alors, non, c'est pas ça. Oh oui, c'est beau, putain. C'est un fanion de la Pologne parce que t'es polonaise. Exactement. Enfin, d'origine. Oui. Enfin, vraiment polonaise. Et je me suis dit, attends, Maison Grise, il n'y a aucun emblème de la Pologne quelque part, il n'y a rien. Et je me suis dit, il fallait que tu affirmes le territoire de la Pologne quelque part, tu vois. Ah ouais, c'est beau. Tu vas la ramener à la Maison Grise, enfin, tu vas laisser à la Maison Grise. Ah, je vais le laisser dans le bureau, c'est sûr. C'est vrai? C'est sûr, ouais. Ok, bah. Au-dessus. Dans les prochains vlogs, vous verrez un fanion de la Pologne, ça vient de là, quoi. Trop bien, merci. Et ben avec plaisir. On passe au cadeau suivant. Alors attention, il y a même deux cadeaux. Deux cadeaux, oh. Et c'est pour Mathieu. Oh. Ça va Mathieu, tu vas bien? Ça va et toi? Bah écoute, il y a mon prime. Alors déjà, je te laisse un premier cadeau qui est un petit peu plus une vanne, hein, mais tu vas comprendre. Mon prénom est bien écrit déjà, donc ça me fait plaisir. Ah oui, généralement ils mettent deux T les gens. Ah, je me suis quand même renseigné sur toi vu que ça fait quand même plus d'un an qu'on se connaît. C'est vrai. Alors c'est une ref notamment à un truc qu'on a montré sur le cas studio off. Là c'est vraiment pour la vanne. Hein. Alors. bah au moins je pourrais dire que. J'ai pas participé, mais que voilà. Voilà, c'est une carte joyeux anniversaire sur le thème de Koh-Lanta. Parce que bon, ceux qui ont pas vu le vlog des émissions de télé, Mathieu, tu t'inscris à Koh-Lanta. Ouais, totalement, ouais, toujours pas de réponse. Toujours pas de réponse, d'ailleurs, c'est qu'on fait un update au passage, mais si jamais je veux souhaiter bon anniversaire à quelqu'un, c'est naze. Et est-ce que du coup, quand arrivera ton anniversaire, je pourrais te donner cette carte? Oh, comme ça, je récupère un cadeau. Ben voilà. Quel bénef. Et alors, le deuxième cadeau, alors j'ai écrit l'indice entre guillemets sur le papier et je te dis ce que c'est après. T'es prêt à révolutionner le football moderne? Point d'interrogation. Parce que, alors avec Mathieu et surtout avec Maison Grise, on fait souvent des fives. Enfin, on l'a pas fait depuis longtemps, mais c'est vrai. On en fait. Alors, c'est assez simple, mais juste la prochaine fois qu'on fait un five, évidemment, je te paye toute la partie, quoi. Okay. Et pour que tu révolutionnes le football moderne et que tu mettes un maximum de triplés, de quadruplés, de cinquuplés. Et puis tous les autres termes après en play que j'ai plus, quoi. Je savais pas quoi faire, voilà, je me suis dit, bah, c'est valeur sûre, quoi, le foot. Bah non, mais c'est super, bah tu sais, la moindre petite chose, ça fait plaisir. Hein. Et bah écoute, voilà. J'attends la réaction des gens au cadeau. Je me suis dit, est-ce que je me retiens de pleurer ou pas? Et bah écoutez, pareil, t'as déjà fait une story quand on fera le fameux five avec Mathieu. Avec plaisir. Et ça, c'est cool. Et bah écoutez, vive les cadeaux et on enchaîne justement sur le prochain. C'est parti! Personne suivante, vous l'avez jamais vu sur ma chaîne, mais peut-être sur la vidéo de Maison Grise. Nina. Nina, alors, je t'ai fait un cadeau. Alors, le cadeau est juste là. Alors. Je précise, hein. Non, je te laisse ouvrir d'abord, je pense que tu comprendras la ref. Hein. Bah, si tu comprends pas la ref, c'est qu'il y a un problème. Hein. Je peux secouer? Vas-y. Ou c'est un hamster? C'est pas un hamster, non, je confirme. Hein. Alors, les larmes aux yeux, les larmes aux yeux, l'émotion, putain. Oh. Nina, je précise pour les gens, c'est que tu pars au Mexique bientôt. Ah, c'est trop bien! Et je me suis dit, attends, mais il te faut un chapeau, quoi, c'est un truc de fou. Mais qui va au Mexique sans chapeau, quoi, c'est un délire, tu vois. C'est trop bien! Mais en vrai, c'est pas. Hey. Non, les larmes aux yeux, putain, je vous filme pas. Non, les émotions, c'est un truc de fou là. Ah, oh, c'est incroyable! Et franchement, le flow est énorme. Et ben, Nina, franchement, c'est avec ça, t'es pas heureuse au Mexique? Je m'y connais pas. Hein. Franchement, bah, c'est lourd. Et ben, avec plaisir. Et franchement, et ben, on passe à la personne suivante, c'est parti. Ok, cadeau suivant. Thibaut, j'ai un cadeau pour toi. Bah, merci déjà. Quelque chose que tu adores? Baudelaire. Alors, c'est les fleurs du mal en deux exemplaires. Yes. En plus, alors, on l'a reçu en deux fois ton cadeau, je sais pas pourquoi. Du coup, j'en aurais deux? Tu peux les deux? Ouais, tu vas t'inquiète. C'est un truc que tu aimes bien, une thématique que tu aimes bien. Oh ok, déjà pas mal. C'est. Alors la thématique c'est Toy Story. Un truc que tu aimes bien et chercher. Non c'est vrai. C'est des Mais attends, c'est incroyable. Mais c'est quoi? Bah c'est. Ça te va pas? C'est des brassards? Non, c'est des bouées Toy Story mec. Oh. Pour être dans l'eau? Bah par exemple, ou dans la lave, ou je sais pas, comme tu veux, tu vois. Tu vas aller dans les égouts ou trucs comme ça, enfin t'as plein de. M'attendais à une Mercedes. Ok. Regardez les larmes, l'émotion au plus proche de l'action. Et bah c'est cool Thibaut. Yes. Allez tape là. Allez. Merci, nickel. Allez. Et à ton anniversaire, attention. Attention au puzzle Toy Story. Merci Lucas. Personne suivante, on passe à Juliette. Bonjour. Juliette, t'as un cadeau. Alors juste, tu l'as touché juste avant, t'as deviné ce que c'était. Enfin, tu penses avoir deviné ce que c'était? Ouais, je pense que c'est un t-shirt. Ok. Un t-shirt plié. Juliette, là donc là t'es à la Maison Grise, mais qu'est-ce que tu fais là dans deux mois? Je vais en Amérique du Sud. Amérique du Sud en voyage? Et ben, c'est un ref à ça, vas-y, je te laisse ouvrir. Ok. Ah, je trouve pas. Alors, je t'explique ce que c'est, ok? Attends, ça va être trop bien en vrai. T'as capté ou pas? Non, j'ai pas. Alors attends, laisse-moi réfléchir deux secondes. Attends, je montre aux gens évidemment. Ouais. C'est un t-shirt avec plein d'émojis en gros. Attends, j'ai pas Lucas. J'ai pas. En gros, c'est d'utilité publique. Rade, t'es dans un pays, imagine, vas-y, dis-moi un pays d'Amérique du Sud. Chili. Le Chili, t'es au Chili, tu te balades comme ça, ouais, ok, tu parles espagnol ou pas? Un poco. Voilà, bah très peu. Ouais. Et ben, imagine, t'as besoin de trouver une prise et tu sais pas le dire. Et bah sur ton t-shirt, tu montres le logo prise. 1er degré, c'est trop bien. En vrai, c'est à moitié très drôle, à moitié utile. Vas-y, je vais le mettre. Normalement, je pense Allez à...
Estoy buscando el... El wifi. Ouais. Oh, elle wifi. Ah, ça la derecha de la maison. Et bah, il est trop bien. Je c'est vrai? Oui, je trouve content. Franchement, attends, est-ce que si c'est vraiment utile une fois dans ton voyage, franchement, c'est genre fou, hein. C'est incroyable. Ouais, ouais. Et en vrai, ce serait un t-shirt, je pense, que je mettrais à chaque point incroyable que je vais faire. Genre, je sais pas, tu vois, par non. exemple, au Machu Picchu et tout, et je ferais une photo sur chaque c'est pas vrai. Destination. Ouais. Oh. Alors ça, franchement, et premier degré, ça me touche, hein, si tu fais ça, hein. C'est incroyable, hein. Et voilà, c'était le dernier cadeau, en tout cas, j'ai trop kiffé faire ça, vraiment, j'aime trop cette ambiance-là. Merci encore une fois à NordVPN d'avoir sponsorisé cette vidéo, parce que c'est aussi en partie grâce à eux que j'ai pu offrir tout ça. Et je vous rappelle, du coup, un petit cadeau pour vous, c'est qu'il y a une offre de Noël en ce moment jusqu'au 1er janvier. Avec ça, vous avez 4 mois offerts sur un abonnement de 2 ans, en passant par mon lien en description, donc c'est nordvpn.com/lucasstudio. N'hésitez pas, faites-vous plaisir, ça régale. Et comme j'ai dit tout à l'heure avec Lucas, c'est que c'est hyper pratique pour plein de choses au quotidien, même pour faire des économies, etc., vous divertir, bref. Et en plus, c'est satisfaisant. Vous rembourser sous 30 jours. Bref, voilà, c'est en description. Merci à eux. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Ça fait grave plaisir. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, à vous abonner, à activer la cloche. Vous connaissez. Et moi, je vous dis bien sûr à bientôt pour de nouvelles vidéos. Salut à tous!